Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator Dark Fate. On reprend notre avancée qui se passait pas si mal. Dans la complicatude mais pas si mal. Alors ici on est un petit peu trop à l'arrière, il va falloir qu'on avance. On va prendre cet endroit. Pareil avec vous, essayez d'avancer jusqu'ici. Les ATGM, ce serait mieux qu'ils soient genre dans les alignements de route. Donc si vous pouviez prendre ce bâtiment là, ce serait pas mal. Ici on a une araignée LRM, ça devrait pas être trop un problème pour nos chars. Ah, on a perdu du monde ici, face à quoi? Oh, il y a du monde, ah oui ok, il y a du peuple là. Très bien. Brouillard, t'es pas super bien placé. On est en train de progresser avec ce qu'il faut. Les rangers, pareil. Faut progresser par là. On a largement de quoi tenir ce côté-là. Donc l'objectif, ça va être de se débarrasser de tous ces cons. Le petit saut, là. Déployez-vous dans les coins. On va avoiner, là on a une spider de type de base. Ici, ici on se fait un peu péter les fesses par toutes les tourelles, ok. Recule. Attends notre copine mère 1 là. Attends, on a plus de munitions là. Ça, ça fait chier. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a du monde. Et là il y a de la nuée qui vole. Ah ouf. Ça, ça va être désagréable. Recule un peu. Une baille de ravitaillement mobile. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire c'est parfait. Là on a beaucoup de monde. Ah oui, c'est parce qu'on est en train de... Bah, toi, rechoppe ça, t'es en train de te charger. On va recharger le plus qu'on peut et après on ira voir ce qui se passe. Alors là il y a beaucoup de monde. Les Malbooms sont en train de prendre un peu cher, on est en train d'amener du monde pour renfort. Vous faut progresser, avancez donc jusque là. Pareil pour vous. Ouais, parce que là il y a un peu trop de monde avec des... sauts à mon goût. En plus il y a une LRM qui arrive par là. Par terre là. Fusil de précision M2010, ok, pas intéressant. On va reculer avec eux. Les Malboom 4, ils sont en train de manger. Ok, lui va se replacer et on va bientôt avoir une petite artillerie des familles. Ici, il faudrait avancer parce que visiblement, vous avez pas d'angle. Ce qui est très con. J'ai presque envie de renvoyer les chars en arrière pour refaire le plan. Là. Toi, tu vas aller poser ta tourelle par là, tiens. Ça va couvrir ce côté-là et ce côté-là. Là, ce qui se déplace, c'est le camion de ravitaillement que je suis en train d'essayer d'envoyer ici. Toi, tu vas bientôt être en position. Déjà ton petit soutien en position, ok, là, eux ils sont enfin en train de se faire buter, non c'est des nouveaux, ok. Ah là faut que tu recules plus que ça. Ah putain il y a une nuée. Ah sa mère, oh ça pique. Bon il n'y a plus d'artillerie, eux ils peuvent se déployer, c'est le bon plan. Membre d'équipage neutralisé, c'est toi? Ah oui, tu t'es un peu fait défoncer. Peut-être une nuée aussi là qui s'est fait plaisir. Sortez réparer un coup, il y a les rangers qui vont faire le taf de nettoyage. Je suis pas trop inquiet. Toi pour le coup, tu vas aller recharger. Toi, il faudra que tu viennes ici parce que visiblement, on se galère
à tirer à travers ces bâtiments. Putain, c'était quoi ça? Waouh! Une nuée qui arrivait par derrière. Ça y est, c'est fait. On a perdu un membre, mais honnêtement, ça aurait pu être pire. Ok, la tour elle est posée. On va reculer le camion parce que j'ai pas du tout confiance qu'il va tenir. Là on peut pas réparer plus. Toi tu vas recharger. On avait un autre véhicule qui était à sec. Toi t'en es où? Tu vas recharger aussi. Tu fais ta vie. Toi t'es en train de rouler à la vitesse que tu peux. Il y avait toi. Il y en avait un autre non? Ah je l'ai peut-être déjà rechargé. Ok parfait. Toi vous, qu'est-ce que vous foutez là vous? Vous avez pas l'impression d'être un peu en train de glander? Enlever la pause 2 secondes, juste voir s'il n'y a pas des petits soins qui traînent quelque part pour vous aller les récupérer. Là. Juste devant vous. C'est peut-être pas juste devant vous, si c'est juste devant vous. Allez, go, récupérez-moi ça. On en reparle après. Là on est beaucoup trop loin. Hop, toi tu récupères ça. Enfin ça ne brûle plus on va dire. Toi t'es à sec. Remballe. Ici on a pas rempli grand chose. Ok bon on va aller faire le plein à la main. Ici est-ce que ça vaut le coup de lancer un tir d'artillerie quelque part? Pas vraiment. Ici on combat mais ça devrait le faire. On est en train d'avancer tranquille. Il nous reste du SWO. Ah là il y a un truc qui sort là. Plateforme de transport armé face à un Bradley, ça devrait le faire. Ce serait juste bien que vous vous avanciez. Du coup, j'ai peut-être pas remis les gens dedans au bon moment. Ah, on a perdu un azul. Ah non, un type de munition épuisé, zut. Allez, recharger. On a géré les tourelles ici, excellent. Là je suis parti, ça a pas réactivé le truc. Hein. Ça a pas réactivé derrière nous, c'est parfait. Vous. Niveau bâtiment, je pense qu'on serait mieux un peu stacké là-dessus. Toi par contre, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour tes munitions. On peut pas vraiment te renvoyer... te renvoyer dans la pampa. C'est quand même assez loin, il y a du monde. Alors ça c'est où? C'est en train de charger sur les flancs là. Est-ce qu'il y a des petits sous qui traîneraient pour recharger nos munitions dans le coin? Pas trop. Ok, donc on va se contenter de se redéployer avec toi. Avec vous, dans ce bâtiment là, avec vous, au milieu. Ça c'est un Bradley. Un Bradley. Là notre véhicule de... ouais, notre véhicule de carburant, il va rusher par là-bas. Ici on va bientôt être en position. Attendez, vous allez recharger vos munitions plutôt. Lui, il est pas trop mal placé, il commence à tirer. L'idéal, ce serait que vous avanciez dans ce bâtiment-là. Vous deux, alors peut-être pas forcément aussi étalés. Ils seraient pas mal là, les ATGM. Eux là. Les snipers aussi, sur le toit, ils feront le taf. Vous pouvez réparer. Ça s'est un peu calmé. Ici, du coup. On va garder lui en secours parce que j'ai pas envie de vider trop les camions non plus avec ça. Là, il va récupérer son truc. Ennemi spotted. Ok, là ça a été géré. Excellent. Il n'a pas trop cher le Bradley. On va avancer eux pour qu'ils puissent tirer plus efficacement sur ce qui se rapproche. L'idéal ce serait qu'ils soient à portée de vue.
Vous, ouais, vous êtes encore en train de réparer, mais il faut que vous me terminiez ça. Et encore un Bradley avec du monde dedans. Ah oui. C'est parce qu'ils sont, ils ont été faire le plein. Ok. Ok, ça tire ici. Ça tire avec sur une meute de loups. Ça, par contre, c'est une plateforme de transport armé. Il va falloir vous coucher, les gars. On est un petit peu trop agressif, peut-être, sur ce mouvement. Des gens sortent. Ok, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça. Les ATGM. Ils sont en train de se remplir. Vous, ce serait bien que vous alliez faire le plein aussi. On va vous envoyer, je pense. On avait des rangers dans le coin, non? Ils sont où? Ils sont là. Ok, ils servent plus à rien. Là, on a un petit véhicule. Alors qui est cassé, donc il va se traîner, donc c'est pas forcément le véhicule idéal pour qu'il récupère du monde. Là par contre on a un transport blindé là. Vas-y, viens jusque là. Tu vas nous servir à transporter les civils. Ce sera parfait. Ok. Lui il se déplace. Là toi t'as ramassé ton truc. Encore, tu y es presque. Ok, parfait. Maintenant... on aura besoin de vous un peu plus sur le front, je pense. Si vous pouviez vous bouger. Par exemple jusque là, non même jusque là. Donc là ça s'est détruit, parfait. Reprenez votre mise en situation. Il reste quoi? Une araignée et une plateforme de transport armé par là. Ok, ici on peut avancer un peu plus peut-être. On a réussi à nettoyer. Allez, on avance. Tu peux pas réparer plus, c'est pas grave, go. D'aller par là, ça c'est un snipe, non? M2010, pas très intéressant. Il va falloir qu'on prenne position en face de toutes les sorties, de toutes les entrées, ça dépend comment on voit les choses. Là on n'est pas assez nombreux pour tenir, il y a quand même 3 entrées. Même avec un char, en plus il est à sec, ok on va reculer. Chercher du ravitaillement, toi va remplir ton ravitaillement. Toi tu vas plutôt rester là en fait sans ravitaillement. On va te mettre par là, on va t'amener du ravitaillement. Ouh, il y a du monde là. Il y a du monde qui arrive sur les flancs. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ok, donc là on n'est pas assez avancé, ils arrivent à se faufiler. C'est bon à savoir. Il va falloir qu'on progresse. Pense pas trop parce que tu vas te faire pourrir par ton copain. Ça va que c'est du petit loup. Là l'araignée a décidé de venir. On devrait être capable de l'accueillir, je pense. Encore que... non, restez dans ce bâtiment, vous. Ce serait pas mal d'avoir un petit ATGM dans le coin, là. Ici. Ici. Pas directement sur la sortie, ça serait bien. C'est quoi, ça? C'est lui qui va se recharger. Ok, parfait. Là, on va recharger l'artillerie. Excellent. Là, vous, vous avez réparé tout ce que vous pouviez réparer. Allez me récupérer ça. On va se replacer pour se battre. Allez là. Ok, nickel. Remettez-vous en position. Et là, il faut qu'on avance plus du coup. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de chemin. On va se poser ici pour éviter de se faire trop facilement choper par la gauche. Et il va nous falloir du monde. Ce bâtiment là est pas mal, je pense, pour défendre. Mais il faudrait de l'infanterie. De l'infanterie. Qu'est-ce qu'on a dans les véhicules encore? Toi t'es où? Ah oui, c'était la TGM qui se rechargeait. Ok, t'as plus rien pour recharger en fait. Du coup, bah revenez là. Au moins vous avez de l'anti-air, c'est déjà ça. Du coup ça sert à rien que vous y alliez vous.
Vous allez aller là-bas pour prendre ça. Toi, tu vas t'arrêter là et tu vas choper la TGM qui sort. Voilà. Ici, on n'a plus de munitions non plus. C'est la merdouille. Notre camion, il en est où? Il n'est pas arrivé encore. Il arrive. Okay. Le char arrive aussi. Le char, si on arrive à le recharger, ça va faire plaisir. Clairement, ça va nous aider. C'est quoi ce petit véhicule qui est là? Un striker tout seul. Striker tout seul. On va t'envoyer par là pour servir de soutien. Ah non, ici avant réparer. On va les envoyer là, eux. Là, ils sont en train de réparer, de se soigner tranquillement. Là, le combat est engagé. Il n'est pas à portée, zut. Et vous? Il est à portée, ok. Essayez de vous débarrasser de ça, ça m'arrangerait si on n'était pas obligé d'amener du véhicule exprès. Alors, un petit tour. Tu vas aller te recharger toi, allez go. Ici on est plein, ici on est loin d'être plein, ici on est loin d'être plein, là on est plein. ...100% de vitesse, on va faire le plein de grenades. Allez, en avant, on se replace, là on récupère. Oh la vache. Je sais pas qui est le LMV le plus lent quoi. Mais en tout cas, c'est la merde. On a vu des ennemis ou ça? Non, c'est toujours eux là qui sont en train de nous détruire notre bâtiment. Ok, le taux est lancé par la TGM. Allez, chope-le, chope-le. Oh, on l'a pas eu. Ça, c'est dommage. Major Stevens. Ah, excellent. Is that really you? Sir, are you hurt? Mason. I'm okay. But there are more prisoners behind me. Make sure they get out of here. Not a problem, sir. We're not leaving until we've got all our people out of here. Got the exit ready. Ok, parfait, excellent. J'aime beaucoup. Toi, tu vas reculer dans cette zone pour éviter que des gens, typiquement un enfoiré avec un truc volant, ne les chope. Vous vous sortez, on va utiliser le transport pour aller chercher les civils. Ok, elle progresse, elle, très bonne idée. Ah, dommage. Oh, mais vous abusez. Deux tirs échoués là. Oh, le mauvais. Oh, qu'ils sont mauvais. 4 tirs, 4 échecs quoi. C'est abusé. Et eux là, qu'est-ce qu'ils foutent? Pas grand chose. Ok, bah dis donc. Pas sorti du sable hein. Donc ici on va commencer à se faire allumer comme prévu. On va envoyer lui s'en occuper. Dans ce bâtiment là, c'est toujours les petits techniciens. Là on a du carburant, vas-y, déploie. Remonte-nous ce char à bloc là, on a besoin de lui ailleurs. Pareil, hein, là, on n'a plus de munitions du tout, quoi. Ça coûte combien de recharger ça? 60 par pièce, ok. Tac, tac, tac. On va peut-être pas avoir besoin d'autant de monde là, hein. Vous... venez dans le Bradley qui était... Merde, je l'ai perdu. Allez, ici, là. Venez par là, on va vous récupérer. Avec les snipers, on va aller tenir ce bâtiment là-bas. Ça c'est quoi? Un transport blindé, parfait. Vous c'est pareil, vous êtes un petit peu mal placé désormais. On aurait bien besoin d'anti-tank genre ici.
bâtiment c'est de la merde. On va aller mettre les rangers là-bas aussi. Un soutien. Un petit ATGM là, ça ferait pas de mal non plus. Hein. On a des EMP, je m'en sers très très peu au final. Donc on n'a pas les snipes qui vont avec. Oh mais putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent quoi? Vous êtes sérieux? Ils sont incapables de toucher leur cible quoi. Je sais pas ce qu'ils font. Ça y est. Et bah putain, ils ont utilisé toutes leurs munitions quasiment. On va vous emmener, vous envoyer de la milice pour protéger. Non, plutôt sur vous. Ok, on refait le plein à bloc. Alors ici du coup, parmi tous ceux qui se rechargent, le striker ici, il est plein. Ok. On va l'envoyer là-bas. Il nous servira de faire des allers-retours avec les civils en plus du petit... Alors non, ça c'est le truc d'artillerie ça. Yeah, c'est le truc d'artillerie. Le truc d'artillerie, si on veut qu'il nous aide sur les deux flancs, on pourrait le poser ici. Ouais, je pense que c'est pas mal. Hop, on va le poser là. Derrière cette maison. Ouais, derrière cette maison. En avant. Ensuite, le camion de ravitaillement, est-ce qu'il a fait son plein? Le Bradley, il a fait son plein. Ok, parfait. Tu vas aller. Tu vas aller ici. Le char, il est en train de faire son plein également. Nickel. Le camion de ravitaillement, il est où? Il est où? Putain, où est mon foutu camion de ravitaillement? Ok, il est là. Il est pas tout à fait plein. On va attendre un peu, on va l'envoyer recharger ce char. Qui est le plus proche de la mêlée. Ça c'est fait. Excellent. Ce serait bien que toi, t'ailles refaire... un petit plein aussi. Alors niveau carburant, les bâtiments que je renvoie là, les véhicules que je renvoie. Faites un peu le plein avant. Toi ça va. Ah il y en a déjà un qui est vide là. Toi on va t'envoyer ici. Ici pour prendre la... pour prendre l'agro. On va pas pouvoir rentrer tout le monde par contre, c'est dommage. On va falloir courir les gars, c'est pas grave. À l'ancienne. C'est quoi ça? On se fout. Pas mal, peut-être qu'ils pourront le prendre au passage. Ça c'est quoi? C'est l'artillerie. Ok, très bien. Ça c'est quoi? Un transport blindé qui ne fait rien. On aurait bien besoin d'un petit peu de soutien par là, je pense. Hop, et hop. On a de la TGM qui est en route pour ici, je crois. Là, on a un Malboom survivant. On va le mettre là, pas trop directement prêt à prendre. Donc ici, on a un civil, le Major Steven. On va rentrer là-dedans. Oula, il a l'air... Il va sans rythme. Hein. On va le rentrer là-dedans et on va l'évacuer. Voilà, toi t'as fait ton plein, parfait. J'avais dit que je t'envoyais ici. Go. Toi, pareil, va faire le plein. On a rentré un... on a déjà vidé un deuxième camion. Oh la vache, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On va l'envoyer là, lui. Le camion de carburant, on va le replier. Enfin, on peut pas le replier, on va l'envoyer, je pense. Peut-être aider un peu là, 797, ça va. Ouais, on est... on serait pas mal de pouvoir recharger un peu. On va le poser par là, on va faire des rotations. Les rangers qui sont ici... on les fout par là. Vous allez vous foutre au sol.
Je sais que le saut sur les bâtiments, ça marche pas toujours. Ce qui est un peu gênant, bien évidemment. Donc toi, t'es rechargé au moins en carburant, tu vas pouvoir te déplacer un peu. D'ailleurs, t'étais même pas plein en fait. Donc redéploie-toi toi. Là on voit du monde, une araignée anti-aérienne, pourquoi pas. Faudrait que tu recules toi, t'es trop proche. Ok, les Malboom là ils font le taf, parfait. Oui, il est déjà un peu endommagé donc on va le laisser à l'arrière au cas où de l'infanterie avance. Ici je me demande si on n'est pas un petit peu trop... proche. On est déjà à portée là. Stop. Stop. Ça fait le taf. Aïe. Shark arrive tranquillement. Donc toi. Maintenant pour se recharger, c'est par là. Le système d'artillerie est plein, toi pareil, va recharger par là. Oh putain, la dèche de ressources quoi. Lui il est en route. Toi t'es en route. Tout le monde est en route, tout le monde bouge. Là il y a des trucs qui bougent pas, c'est l'artillerie. Ok, un petit taux. On va le poser ici. T'en es où toi? Ouais ça va, t'as quand même encore du répondant. C'est du petit technicien dans les maisons. Vous deux. On n'a plus vraiment d'assaut à faire. Est-ce que je vous enverrai pas par là-bas du coup? Deux c'est trop. Ici il y a une entrée là. Non, il n'y a pas d'entrée là. L'entrée elle est là. Ok, l'entrée elle est là et on la couvre. Tant bien que mal. Vous allez refaire le plein de munitions. Du coup, vous, pour le moment, pas forcément d'une utilité folle. Je vais peut-être vous envoyer par là-bas, un par là pour soutenir. Et un autre par là-bas pour soutenir. En termes de portée, là, ça ressemble à quoi? Ok, 75% c'est pas mal, ça avance vite, excellent. Notre camion de ravitaillement est bientôt arrivé. Et là, il y a un char qui va sortir et qui va nous désintégrer. Vas-y, recharge-moi ça vite fait. Ah, il y a le char qui s'énerve, il a vu du monde. Ok, encore du monde qui sort là. Des homoncules avec Swo, ça devrait aller. Ici, ce que il est enfin plein. Ok, parfait. Vas-y, replie-toi. Et après, tu vas aller te poser, on a dit, par ici. Alors, toi. Ici pour te recharger. Là, on est plein, c'est un petit Humvee. On a le Striker qui arrive ici, on va pouvoir commencer à charger du civil. Est-ce que t'as de la munition? Ouais, vas-y, rechargez-vous aussi. Donc toi tu vas là, le MV avec des frags, des frags. Ici il faudrait qu'on avance un peu hein, pour avoir une meilleure vision. Je pense qu'on va se poser genre à ce croisement là. Vas-y pose ça là, vous. Avancez jusqu'ici, c'est un peu à l'arrière mais bon tant pis. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être plutôt se défendre au niveau de cette maison là. On devrait faire le taf. Enemy incoming ici, ok. Là, c'est calme. On a de la munition. On a de la munition. Un sniper là. Un peu trop en arrière pour faire quoi que ce soit, je pense. Ça, c'est un bâtiment faible. On va essayer de rester dans le moyen. Allez, ici, on recharge.
Ah oui, là c'est les trucs à la con. Allez, go, là-dedans, là-dedans. Ouf, vous avez refait le plein. C'est parti, on sort. Il y a d'autres ennemis incoming là, visiblement. Face au char. Ah, j'ai cru qu'il s'était fait tuer, non, c'est celui-là. Ah putain, le cadavre de l'autre char devant quoi. Sérieux. Ah, on a perdu du monde ici. Ok, ça se rapproche peut-être un petit peu trop. C'est ce que je craignais ici, qu'on soit trop proche. On va plutôt se mettre par là. Ça c'est le Major Steven, très bien. Là on a une unité d'infanterie pas très très utile également. On va l'envoyer peut-être soutenir par ici. Je vais mettre dans le bon sens. Soutenir par ici là. Ils visent bien hein, les mecs avec soi. Hein. An eraser worm too. By the time Legion regains control, the databanks will be wiped clean. Those trucks with the database info are the prime asset right now. Get them out of here while we keep Legion busy. Good luck, sir. Hold the research center for as long as you can. Wireheads can't know about the data breach and that we're getting the prisoners out of there. Okay. New forces arriving from the south. Il va falloir que t'ailles filer un coup de main là parce que. Le char il est en train de galérer, j'aimerais bien qu'il dure encore un petit peu. Là, avant que je l'oublie, c'est bon, vas-y. Remballe. Tu vas aller te poser genre sur ce parking. Je me demande si vous seriez pas plus utile là en vrai. Parce que les lance-roquettes là, ils sont sympas mais c'est pas non plus... non plus des fifous. Ok, c'est géré ici. Parfait. Donc tu vas plutôt essayer de venir là, toi. Le Bradley, on va l'avancer un petit chouille. Où est notre tourelle? Ah putain, mais c'est pas vrai. Un véhicule qui s'est roulé là. Vas-y, tu vas la choper. Toi, essaie d'aller par là pour avoir un meilleur angle. Oh. Ok, très bien. Et ben on a un super Humvee. Et un camion de ravitaillement là, toi tu viens là. Toi tu viens là, on va servir de ce Humvee pour éclairer la route, je pense. Pour l'évacuer le plus vite possible dans l'idéal. Vas-y, rapproche-toi pour être vraiment dans la zone. Toi, déploie-toi. Jusqu'ici, vous servez pas à grand chose là. Vous d'ailleurs, vous servez pas à grand chose non plus en vrai. Beaucoup trop loin du front là. Vous deux, on va vous mettre par là. Et vous, on va vous mettre par là. Notre char est rechargé, alors par contre il peut se prendre des trucs de flanc selon ce qu'il arrive, donc on va espérer qu'il n'y aura pas de grosses surprises désagréables. J'aimerais vraiment de la TGM dans le coin là. Toi, reprends ça. Est-ce qu'on a de la TGM dispo? Qu'est-ce qu'il nous reste? Toi tu tiens ce flanc là, ok. Toi tu protèges en ici, vous êtes en train de descendre, ok. Et vous êtes là, ok. Vous allez plutôt remonter en fait. Je suis beaucoup moins serein sur cette zone là. Très honnêtement. Et je pense que même vous allez quand même rester dans ce coin là. Parce que je suis pas sûr qu'il n'y ait pas des trucs qui finissent par popper à un endroit là. Non. Ok, on attend les civils. On charge à max le striker et après on y va.
Le camion, on l'avait envoyé sur le parking. Parfait. Vas-y, déploie-toi. On a d'autres personnes qui sont sorties, parfait. Dans. Toi, t'es déployé. Ici, on a récupéré la tourelle. Allez. Viens nous la poser ici, s'il te plaît. Essayez de se déployer. Ah, là, il a vu du monde. Ok, là, je pense qu'on devrait pouvoir tenir. Toi, tu vas te poser par là, histoire de ne pas te tirer à travers le bâtiment, si possible. On a Stevens. Ah, merde, là, ils se font avoiner. Par quoi? Ah, c'est pas du tout le côté que je pensais. Merde. On s'est pris quoi, là? Et une autre sortie? Non, y'a rien d'autre. Qu'est-ce qui leur a fait mal à ce point? Je sais pas, mais on l'a défoncé, visiblement. Tant mieux, j'ai envie de dire. Toi, continue de prendre les points. Vas-y, ici on a un autre truc qui est sorti. Une plateforme de transport armé, il se fait défoncer. Toi, mets-toi un petit peu pas devant ta copine. Et après, répare. Ça tire quelque part là, je vois pas où. Oh! Vache, il se prend la tatane là, on va peut-être le reculer un peu. Ou avancer ça. N'empêche que heureusement qu'on a les ATGM pour les gérer hein, parce que. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc qui passe là, qui sort de nulle part là? Il va tomber sur notre char, c'est très bien. Ici il y a une zone de danger, je peux pas vraiment avancer plus malheureusement. Ah ouais, ils sortent en masse là, putain. Bien fait de mettre du monde, hein. Vas-y, pose-le un peu plus par là. Ok, bon là, on protège pas trop ce côté, visiblement. Shark est pas content, quoi. Ça c'est quoi? C'est l'artillerie. Ok, pas de soucis. Là, on va prendre la route jusque là. On va accueillir la petite plateforme avec notre... Putain, mais shootez-le! Oh, con, il s'est raté. Putain, il faut qu'on aille se le faire avec le Bradley. Je sais pas ce qu'il fait, mais... Par question qu'il se balade comme ça sur nos arrières. On va probablement t'envoyer par là du coup. Toi t'as assez de portée là, c'est un peu juste. Hein. Là, faut que je t'avance encore un peu. Bâtiment moyen, ouais. Ça y est, il est géré lui. Ok, parfait. Parfait. Donc toi tu vas rester là, dans l'optique d'éventuellement avoiner les humains qui passeraient par ici. Là on tient, avec ce qu'on peut. Est-ce qu'on a des besoins de munitions? Vous, ah non c'est vide ça, plutôt là-bas. Ici, on a un Bradley chargé à bloc. Parfait, je vérifie régulièrement où est-ce qu'on en est. Faible, ça va se faire défoncer instantanément si je mets du monde dedans. Là, on a de la TGM qui est pas forcément plein. Oh, le camion. Viens là, camion. Toi aussi, t'as des réserves. Du coup, toi, reviens, repars par là. Toi, évacue. Ici, on avait toi. On a un nouveau Bradley qui est chargé.
Le transport blindé avec des taux, des jeeps, jeepoplasma. Ah, jeepoplasma, on va l'envoyer là, en soutien. Genre par là. Et visiblement, il va falloir qu'on ait un peu plus de monde également. Donc on va envoyer du frag. En soutien. Le dernier Bradley. Je pense qu'on va l'envoyer là. Ici. Et le transport blindé avec des taux. Est-ce qu'on n'enverrait pas là ou là? Là on est un petit peu léger. Bon, il n'y a pas trop de véhicules qui sortent pour le moment, mais c'est vrai que si on avait des taux dans le coin, je me sentirais quand même plus serein. Toi t'as plus de réserve. Va te faire un petit plein. Ici. Je prends le risque d'éloigner lui. Allez go. On avait un MV, non? Ah non, il est parti faire le taf. Allez, fais le plein, vas-y. Oh, ça te fait. Maintenant, tu reviens par là. Toi, tu remballes. Et on va t'envoyer où ça? Par là-bas, par exemple. Jusque là. Allez, go. Ça, c'est le camion de ravitaillement. Très bien. Ça, c'est la petite Jeep. Qui a sécurisé tout le chemin. On va l'envoyer ici. Et on va arrêter cet épisode-là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. À me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez qu'on va réussir cette mission. Comment ça se passe? Je vous remercie d'avoir suivi, on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.